Bonjour tout le monde et bienvenue au nouvel épisode <laughs> de vlog de la Night Trico Moi c'est Anna et nous sommes aujourd'hui ici pour une petite vidéo euh, résumée des derniers mois. <laughs> Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu parce que euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de travail, parce qu'en plus à la maison on a eu beaucoup de monde, on a eu aussi enfin euh, on a eu plein de choses niveau professionnel, niveau personnel. Qui ont fait que bah, j'ai pas trop eu euh, des disponibilités pour aller à la boutique et filmer. En dehors du temps déjà que je faisais à la, à la boutique, pour vous donner une légère idée, j'étais entre 50 et 60 heures par semaine de travail. Donc euh, autant vous dire que voilà ça a été vraiment, vraiment le rush. Entre la rentrée, la préparation des retraites, les retraites retournant et né en boutique pour préparer le knit et commencer vraiment la, le gros de la saison, euh, les cours, les arrivages, etc. Plus le knit plus euh, des événements de vie perso où on a eu du monde en boutique, euh, pas en boutique, mais <laughs> ici à la maison, etc. Donc bref, euh, vraiment vraiment très très chargé, très fatigant, mais ça va mieux. Et voilà, donc euh, aujourd'hui je voulais, euh, comme vous aurez vu au début de la vidéo, je vous ai mis des petites vidéos de, de ce que j'ai fait ces derniers temps, que ce soit avec dans les retraites, que ce soit un peu en boutique. Vous aurez peut-être des vidéos aussi de moi en train de tricoter à la machine un des samples qu'on a apporté au Nitid, dont je vous parlerai dans, dans la prochaine vidéo qui je pense ne va pas trop trop tarder. Parce qu'aujourd'hui on va faire un point de euh, tricot en cours. Pourquoi Parce que... Comme j'ai pas eu le temps de faire ma rentrée à moi, ma rentrée créative, et que c'est maintenant qu'on se retrouve seul à la maison à nouveau après l'été et, et tout ça, euh, on a commencé à faire pas mal de tri, à faire du, du ménage aussi, mais surtout du rangement, et je me suis retrouvée aussi à faire, comme vous aurez vu aussi sur une petite vidéo, à faire le tri de mes projets de mes projets en cours parce que j'ai commencé des trucs au fur et à mesure, je savais plus ce que j'avais commencé, je ne savais plus où j'en mettais des projets, je savais plus ce qu'il y avait dans mes paniers. Donc euh, j'ai tout sorti, j'ai fait le tri, j'ai détricoté euh, un, un vieil euh, projet en cours que je finirai jamais, donc ce même pas la peine de, de le garder au plus de temps. Et on va faire un petit tour, vous verrez, il y en a... Deux possibles qui vont être soit détricotés, soit transformés en autre chose parce que je suis pas convaincue par les couleurs, etc. Et puis le reste, c'est soit des nouveaux projets, soit c'est des projets euh, qui, qui, ont, voilà, qui vont être euh, vite euh, à nouveau sur mes aiguilles parce que c'est plus la saison de ces projets-là. Vous savez que j'ai je finis jamais tous mes ouvrages donc du coup il euh, y en a qui sont les... qui appartiennent à l'été que je garde pour l'été et après euh, je récupère à l'automne-hiver ceux que j'avais laissés en, en pause euh, l'automne-hiver dernier donc ça me permet toujours d'avoir du roulement. Je dois dire que quand même par rapport à la dernière vidéo des projets en cours euh, qui remontent maintenant à, à un an ou, à... ou en tout cas à... à quelques mois, je vous la mettrai en barre de description, j'ai quand même moins de projets, je les ai pas comptés. Parce que je me suis dit qu'on compterait ensemble, mais euh, j'en ai quand même moins, j'en ai quand même défait et fini pas mal. Donc euh, donc voilà, et comme j'ai beaucoup, enfin j'ai beaucoup fini de choses, non, mais comme j'ai fini des choses pendant depuis l'été jusqu'à maintenant, et que je me souviens pas exactement ce que j'ai fini, et qu'il faut que je fasse aussi un point de ce que j'ai fini, que je fasse les fiches, ra fiches Ravelry et, et compagnie, je me suis dit que ce, cet épisode serait plus sympa à vous montrer vraiment ce que je sais qui est en cours. Faire un petit point avec vous de ce que j'aimerais finir, de ce que j'ai sur les aiguilles, et prochainement vous faire une vidéo de projets finis, puis faire le point des projets en cours que j'aurai à ce moment-là, plus euh, podcast classique, on va dire. Mais, mais bon, là j'avais envie de vous montrer ça. ça, ça me permet de faire un point avec moi-même et avec vous, et vous montrer aussi les nouveaux projets sur lesquels je travaille. Euh, en ce moment. Donc euh, c'est parti, j'espère que ça va vous plaire et désolé pour la lumière, j'avais prévu qu'il y ait plus de lumière naturelle euh, ce matin. Ce n'est pas trop le cas, mais bon, j'espère que ça conviendra. Ça fait un petit peu euh, lumière d'automne, qui n'est pas plus mal parce qu'on a un automne pas très froid pour cette fin du mois d'octobre. C'est un peu dommage, j'aurais aimé euh, qu'il fasse plus froid, mais bon. On choisit pas. <laughs> Donc, on commence par les projets en cours. Je vais vous montrer, je sais pas, je vais prendre comme ça et on va voir. Donc, les projets en cours que j'ai, dont le, enfin, un projet en cours que j'ai, disons, à long terme, c'est la couverture au crochet. Vous vous souvenez peut-être que j'avais fait une grande couverture au crochet euh, dans les tons de, enfin, dans les dégradés de bleu qui est que j'ai offert à mes parents ou que, en tout cas, qui est chez eux. Et euh, à la suite de ça, ça m'a donné très envie de faire une dans les tons chauds parce qu'en fait c'est une découverture que je fais avec des restes et j'ai beaucoup de restes donc ça me permet de vider un peu mes restes. Donc j'avais commencé ça quasiment euh, je pense qu'au mois de mars-avril. Comme vous voyez j'avais pas beaucoup avancé parce qu'après vite euh, avec l'été, euh, d'autres projets et tout ça, ça m'a pas... Euh, voilà j'en je, ai pas fait plus. Ce que j'aime de ce projet, c'est que c'est totalement zéro cerveau et je, sais les et je sais que pendant les soirées d'hiver où je serai fatiguée, ça va être un projet que je vais travailler avec beaucoup de plaisir. Euh, Qu'est-ce que je change Alors, ma, de ma première couverture, j'ai appris la taille que je devais faire, donc c'est pas mal. J'ai appris aussi. Enfin, j'ai appris. Euh, non, mais je me suis rendu compte que pour l'autre couverture, j'avais fait un aller-retour en couleur neutre et un aller-retour en couleur. Et en fait. <coughs> Je, je sais pas pour changer un peu et parce que j'avais envie que les couleurs soient plus, plus présentes que le beige ou les crus, je fais un aller, donc une rayure en couleur de base, on va dire, et un aller-retour dans la couleur. Et j'aime mieux ce, ce rendu là. Donc vous voyez, je, je travaille des c'est vraiment que des restes et je travaille dans des couleurs chaudes. Ce que j'ai appris aussi par rapport à ma première couverture, c'est que. Euh, moi je crochette serré, donc euh, je crochette du fil Sport DK en 5 mm pour que ça fasse un rendu un peu plus souple et que ça fasse pas une couverture qui soit trop lourde. L'autre la, couverture elle est super sympa mais c'est plus une couverture de lit tellement il est, elle est lourde parce que la mettre sur soi... Enfin, après c'est agréable d'avoir pour certaines personnes une couverture épaisse et lourde, mais vu que je tricote danche Enfin, je tricote et je crochète serré, ça fait un tissu très dense. J'avais fait un déca Worsted en 5 mm, et là j'ai opté pour un Sport déca en 5 mm, et c'est déjà bien plus souple, moins, moins lourd. Et voilà, voilà, donc j'utilise plein de restes. Ça, c'est de la Brusca, ça, je sais plus, ça, c'est de la soie de Rosario Scott tenue double, ça, c'est de la Rios de Malabrigo. Euh, ça je sais pas, ça, ça c'est de l'Alpaga ça c'est de la Loft de Brooklyn Tweed d'un pull que je m'étais fait ça c'est de la BFL de Dorian de Maison Septembre je j'avais fait euh, le Vertices Unite avec ça je sais plus, ça c'est de la Loglemonde de mes mitaines et de ma capuche bombec donc voilà, ça fait aussi des, pour moi des petits souvenirs à chaque fois que j'arrive à une couleur ça me, ça me fait penser à tous mes petits projets la, la laine de base que j'utilise donc vous voyez, c'est dans un panier où j'ai mis euh, plein de restes. Donc euh, j'ai encore plein de loft. J'ai ça, c'est de l'anoline de la, euh, la mérinos de chez elle. J'ai aussi des jaunes. Donc je ne sais pas si je finirai par les mettre, mais bon, j'ai quand même des jaunes et des moutards. Donc peut-être que je ferai une section dans ce genre de couleur. Euh, Qu'est-ce qui me reste Il me reste de la brusca aussi. Donc ça, je vais voir comment je les alterne. Et je pense que je dois avoir d'autres restes aussi dans... depuis euh, dans mes restes. Dans mon sac à reste et dans la, le, fin, la matière principale, c'est de la semi à mélange de BC Garn. C'est une qualité que je ne fais plus en boutique par manque de place et parce que c'était pas la qualité qu'ils en le plus, mais c'est une qualité que j'adore. <laughs> J'envisage même de la re-rentrer parce que vraiment, c'est un super budget et elle, elle est douce. Euh, donc je me tâte vraiment à la rentrer mais en revanche si celle que j'ai gardée parce que je l'aime beaucoup et vous l'aimez beaucoup c'est la semia pura, pura qui en fait est la même chose mais légèrement plus épaisse donc elle aurait très très bien marché d'ailleurs je l'ai utilisée pour ma première couverture et euh, elle a très très bien marché donc, euh, donc voilà ça c'est que j'avais un sachet de semia mélange en boutique et je me suis dit bah tiens euh, je, vais, je vais le garder. Et euh, comme vous voyez, bah, du coup c'est du 5 mm. Euh, le crochet, c'est en tulipe. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de ville ambiant, ce qui a des travaux dehors. Et moi ça me perturbe un peu. J'espère que ça va aller. Sinon j'essaierai de bloquer le son. Passons, je vais prendre comme ça tel que ça arrive parce que euh, je ne sais plus ce qu'il y a dans les sacs. Alors là, dans mon sac Kuroneko, euh, je m'en suis gardé un. Euh, on en a eu euh, là en septembre-octobre à la boutique, je crois qu'il doit en rester quelques-uns et je vais bientôt re leur repasser commande, mais je ne sais pas quand est-ce que ce sera euh, réassorti parce que c'est des sacs qui sont faits main, donc euh, le temps que je passe la commande, le temps euh, qu'elle euh, qu la fasse, elle l'expédie, mais euh, euh, je vais en avoir un nouveau. Donc dans ce sac qui est quand même assez... Euh, bon il y a beaucoup de, de place, je suis en train de faire dans la qualité euh, Pure tweet d'Erika Knight, pour vous montrer l'étiquette. Pure Twitter Ricanite, c'est une laine 100%, euh, je ne sais pas s'ils disent la qualité de ce que c'est. Non, ils disent laine 100%, pas super wash, faite en Irlande, dans le Donegal, dans la ville de Kilcar, où j'ai été <laughs> un jour d'été, meilleur, merveilleux jour d'été, et où il y avait marqué sur la porte de la boutique, alors qu'on s'était déplacé de je ne sais pas où, pour aller à Kilcar, qui est vraiment un mini-bled de chez Mini Bled, euh, où il y a un seul bus tous les je ne sais pas combien d'heures. On s'est retrouvé avec le panneau fermé par canicule. On est à la plage. <laughs> Donc euh, c'est toujours, toujours très, très rigolo de, de travailler laine parce que ça me remet à ce jour spécifique dans le Donegal en 2022 où on s'est déplacé euh, spécifiquement pour aller voir euh, l'usine euh, enfin l'usine Donegal à Kilcar et qu'on euh, s'est retrouvé euh, la porte fermée. Donc ce n'est que partie remise, on y retournera. Mais bon, cette là avec ses bons souvenirs d'Irlande. Je tricote le patron Trista de, je crois que c'est de, de Jennifer Steinglass. Euh, le patron était sorti dans le numéro 3 de L'En Magazine et moi j'ai choisi ce... cette palette de couleurs. Donc c'est le noir euh, gris anthracite, l'écru, le vert olive et le gris. Hum, pourquoi ces couleurs? Bon, déjà parce qu'elles me plaisent bien. Et aussi parce que j'avais fait des échantillons pour un gilet d'Erika Knight qu'on allait avoir, enfin, qu'on a eu sur le stand d'Unitite. Et du coup, comme j'avais fait des échantillons, j'avais plein de restes. C'est des écheveaux de 100 grammes, donc on va vous dire que j'avais pas mal de restes. Et je me suis dit que ce serait parfait pour faire un jacquard, ce que j'ai fait. Euh, là vous le voyez comme ça, il est en attente euh, sur un fil parce que je voulais bloquer le yoke avant de continuer parce que je me suis rendu compte qu'il est un peu grand. Euh, J'ai fait la taille 3 alors que je savais que, euh, que j'allais tricoter plus large que le modèle parce que je... cette laine-là, elle est... c'est une Borside à rang. Et elle est assez gonflante une fois bloquée, et je voulais pas un jacquard hyper dense, hyper serré, alors qu'il l'est déjà. Et, et donc voilà, je, il est mouillé, hein. je le tiens comme ça, mais il est mouillé. Et, est ce que vous dire. et du coup, je voulais le bloquer, non seulement pour montrer, enfin pour que le jacquard se lisse, etc., mais pour checker la taille. Je crois qu'elle me va. Je voulais un pull oversize de toute façon, mais en revanche, il est très décolleté. Normalement, ce pull n'a pas de finition ici. Elle, elle fait juste monter des mailles et c'est un léger roulotté tel qu'il est là. <laughs> en revanche, moi, je ne peux pas le laisser comme ça parce que ça me fait une encolure très dégagée. Pour un pull qui va être extrêmement chaud, c'est pas la peine. Donc je vais tenter une chose qui je pense peut marcher, c'est que je vais relever des mailles et je vais faire un col un col double. Si avec ça ça reste trop dégagé et ça ne va pas, et ben je détricote le, le tout et je monte la taille 2. Donc, euh, donc voilà. Mais je, pour le reste du yoke, me, enfin, je l'ai déjà mis, il, me, il irait bien. Donc je pense que je voulais vraiment le yoke du Trista, mais pas le look du Trista. Le Trista c'est un pull assez classique, mais il a... Il a une reprise du motif sur, euh, sous le bas des manches et le bas du corps que je ne ferai pas. C'est pas quelque chose qui me... Plaît énormément et euh, le corps il est légèrement euh, cintré et ça ça me plaît pas non plus. Moi j'avais envie d'un pull un peu boxy avec de grosses côtes en bas et des manches un peu larges avec des grosses côtes en bas aussi. Euh... Voilà, c'est ce que j'avais envie, mais j'avais envie d'un pull en, en jacquard et de faire euh, ce yoke. Je suis très contente des couleurs par contre, je ne les. je pense pas que je les change. Donc, euh, donc voilà, avoir ça, ce projet, je vais attendre à s'il sèche, je vais relever les, les côtes ici pour faire un, un gros col euh, doublé et si avec ça ça va pas, bon bah c'est pas grave, de toute façon ça, pour moi le jacquard c'est vraiment du 100% plaisir donc euh, c'est pas grave si je dois le défaire et, et recommencer dans la bonne taille. C'est bien pour ça que j'ai pas continué et que j'ai bloqué à, 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 à mi-chemin, enfin que j'ai bloqué après, après le yoke pour être sûr de ce que je faisais. Donc pour une fois j'ai un tricot trop grand. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. En deuxième projet Jacquard, euh, ici je pense que la taille va être bonne, c'est le Porcelaine Yoke Sweater. Donc ça c'est les deux projets que j'ai montés la semaine dernière parce que, parce que j'avais envie pas de parce que. Donc ça c'est le porcelaine sweater. J'ai pris exactement les mêmes couleurs que la créatrice parce que justement je trouve que c'est les couleurs qui font ce côté porcelaine hollandaise qui me plaisait bien. Donc c'est aussi un top-down. Ici les côtes elles vont être cousues comme ceci. Donc c'est un peu cet esprit-là que je voulais donner à l'autre. Et comme vous voyez, j'ai déjà commencé le yoke euh, en jacquard. Je pense qu'au niveau taille ça ira aussi. J'ai choisi la deuxième taille en aiguille 5 alors que le patron, et je dois avoir un échantillon à peu près de 19 mailles alors que le patron je crois que c'est du 21 mailles. En... Parce que c'est plus une des cas, et moi je suis en train de la tricoter plutôt en worsted, donc euh, donc voilà ce que ça donne. Assez contente euh, aussi, vraiment encore un régal à, à travailler. Et je le tricote dans la mantelopine de Wool Dreamers, donc dans le merino euh, non retordu de chez Wool Dreamers, dans le coloris grège qui est un des coloris classiques. Qui est celui qui se vend le plus, et le coloris euh, azul cobalto, donc c'est une sorte de bleu royal, euh, bleu roi, euh, qui est une des nouveaux, qui est un des nouveaux coloris de euh, Wool Dreamers, que j'aime beaucoup, et qui était parfait pour euh, ce projet. Euh, pour la manchellopie, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail. Euh, dans l'épisode le, des projets en cours et tout ça, enfin des projets finis, et projets en cours, donc un épisode un peu plus classique, mais euh, c'est un fil qui est non retordu, donc euh, qui vient déjà en double. Donc dès que vous le tirez, je vais lâcher lui, dès que vous le tirez euh, de, de, du cake, il vient en, en double déjà. Voilà, que je vous montre. Donc vous voyez, il y a deux fils. On peut le tricoter, on peut s'amuser à le séparer à faire un seul fil. Euh, je... C'est un exercice de patience que je ne vais pas faire. En revanche, euh, il se tricote très très bien en double fil. Vous pouvez même le retordre un tout petit peu euh, si vous voulez, mais il se dédouble pas du tout. Et c'est un fil qui est un préfil, donc c'est un fil qui n'a pas de torsion. vous Voyez, euh, si je donne un peu de torsion à ce fil, et eh bah ben, du coup il casse pas. En revanche, si je enlève, enfin si je le tiens tel quel et que je tire, il se casse. Mais aussi vite il se casse, aussi vite je le ressoude. Et comme vous avez vu, une fois tricoté, ça ne pose aucun problème. Ça, je retricote par-dessus, ça se tient dans le tissu et euh, on n'en parle plus. Moi, personnellement, j'aime beaucoup tricoter la Ventiloupi. Je ne la casse pas plus que ça. Euh, je sais que certaines personnes ont du mal, ce qui, ce qui, ce qui je comprends enfin, et qui est normal. Mais aussi, je pense que ça vient beaucoup du fait que d'entre vous, certains d'entre vous tirent après chaque maille. Et du coup le fait de tirer après chaque maille ça fragilise forcément la fibre au fur et à mesure et du coup il y a un moment où ça casse. Quand ça vous arrive vous pouvez détricoter une ou deux mailles et faire la même chose que j'ai fait, donc resolidariser le fil euh, ensemble. Et sinon mais il faut trouver un peu d'autres méthodes de travail, euh, déjà parce que le fait de serrer après chaque maille ce n'est pas très utile parce que c'est plus l'attention que vous allez mener tout au long de votre ouvrage qui va faire que le fil se resserre sur lui-même. Mais c'est vrai que certaines façons de tricoter, surtout quand on est débutant euh, et qu'on a ce truc de tirer après chaque maille, ça peut euh, ça peut ne pas convenir à ce genre de fil. Mais euh, on est beaucoup à aimer euh, travailler et à aimer le rendu de ça. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de passer à côté du plaisir de du rendu final de, de la la de pie parce que ça donne vraiment des pulls légers et t'as un, un peu l'impression de tricoter de la main à ma papa enfin c'est moi je trouve l'expérience très très plaisante et, et j'en ai déjà j'ai déjà tricoté un pull pour, euh, pour mon compagnon et il tient nickel dans le temps lui il le porte énormément il adore ce pull parce qu'il est léger c'est le je lui avais fait le zipper sweater de petite knit et il l'adore, vraiment c'est le pull qu'il met le plus et, et voilà donc euh, Juste vous dire ça sur la main de Cheloupi Ensuite, on va passer... Et là, à partir de maintenant, je vais aller un peu plus vite parce que cela, vous, soit c'est des projets rapides, soit c'est des projets que vous connaissez. Donc, euh, on va pas non plus passer trois heures là-dessus, surtout qu'il faut que j'aille travailler. <laughs> Donc euh, voilà. Euh, ensuite, dans un super mignon petit sac que m'a fait une de, de nos clientes, enfin, elle nous a fait plusieurs qu'on qu s'est distribués euh, avec ma maman et Juliette. On a, enfin, j'ai commencé et j'ai commencé totalement influencée par Juliette d'ailleurs. Les chaussettes de Summerly, j'ai acheté donc le club là qu'elle a l'année euh, avec ses patrons de chaussettes. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo si vous savez pas de quoi je vous parle. Et j'ai commencé les chaussettes de pour cette saison, hein, pour la saison Halloween. Je ne suis pas du tout branchée Halloween, mais je trouvais ça rigolo. Euh, c'est les chaussettes avec les petits fantômes. Donc là, j'ai les petits fantômes, mais j'ai choisi de ne pas, pas tricoter en jacquard les yeux et la bouche, parce que ça faisait de trop longs fils à gérer, et je vais les rebroder par-dessus. Juliette a, a fait la même chose. Donc euh, voilà, j'ai tricoté le jacquard en 2,75, parce que je déteste ne pas pour, bien pouvoir enfiler ma chaussette quand j'ai du jacquard. Euh, C'est vraiment une, un truc que je, je déteste et ce qui fait que je ne les porte jamais si elles sont trop serrées et que le pas de, le, le pas, le pas de vis, j'allais dire, le mm, talon ne passe pas bien. Donc, euh, par contre, j'ai suivi que ça pour le modèle. Après, donc les côtés, tout ça. Après, j'ai fait un talon euh, Fish Lips Kiss Heel contrastant. J'ai pas du tout suivi son patron à elle. Je vais même pas regardé ce qu'elle utilise comme talon. Et là, je vais finir la pointe euh, pas en contrastant dans la couleur, euh, dans la couleur principale. C'est une laine prune euh, Bordeaux. Euh, pas Bordeaux, c'est plutôt prune. Euh, à paillettes. Ça faisait un peu Halloween. Et c'est de la laine de et le, le talon aussi. Enfin c'est tout un ensemble de squirrel yarns que euh, mon amie Julie m'avait offerte. Euh, voilà l'étiquette c'est des petits des petits pelotons de trois qu'elle vend comme ça entouré d'une d'une grosse étiquette. Enfin d'une étiquette. Donc il y a les trois pelotons ici et euh, c'est ce que ça porte un nom. C'est des kits de chaussettes et c'est la sa base Pécan Fingering. Donc euh, voilà c'est une fingering... Euh... Donc, euh, donc voilà, ça c'est en plus un cadeau d'une amie, dans le cadeau d'une cliente, dans un patron que je tricote avec ma collègue imbattable. Euh, je vous ai dit que j'ai tricoté en 2,75 euh, le jacquard, mais aussi en petite aiguille circulaire. Ici j'ai choisi les zingues de Nitro, j'avais envie de les tester. Il y en a une qui est plus longue que l'autre, et ça j'aime plutôt bien. Moi j'ai tendance à mettre euh, la longue euh, à droite et la courte à gauche, on peut faire à l'envers. Euh, et voilà, donc ça j'ai ai beaucoup aimé euh, de tricoter le jacquard en petite euh, circulaire, je ne ferai pas toute une chaussette avec parce que je sais déjà que ça me finit par me faire mal, mais, euh, mais ça a très bien marché pour le jacquard, donc euh, je pense que c'est ma méthode de, de préférence. Un deuxième paire de chaussettes aussi dans le petit sec, Curoneco que je me suis pris de la même couleur que l'autre pour avoir l'ensemble je tricote donc ça c'est la paire de cha... la paire, enfin, la chaussette que j'ai tricotée pendant les retraites euh, tricot c'est de la laine de euh, lisa le zèbre tricot c'était un... un cadeau aussi de mon amie melissa qu'elle m'avait offert il y a quelques années et comme on apportait de la laine de lisa pour les retraites je me suis dit tiens c'est l'occasion de les monter un fish lips kiss heel aussi pour le talon j'ai un peu peur, j'ai l'impression que j'ai fait une paire un peu trop, trop étroite. Euh... Elle passe, mais je trouve que c'est un peu étroit pour moi. On, on verra. Et j'avais commencé le rabattage, qui n'était pas très heureux, donc il faut que je le défasse et que je me remette. Donc ça, c'est un peu en pause, il faut que je m'y remette. Euh... Il faut que je m'y remette. Donc, euh... voilà pour ma deuxième paire de chaussettes. Ensuite... Ah, ça, c'est le patron, le projet que je vais prendre juste après avoir fini un de mes pulls en jacquard, ou pendant, on verra. C'est mon pull de Noël, euh, mon Festive Yoke Sweater de euh, Skin que j'avais commencé il y a au moins deux ans avec mon amie Laura, qui avait largement fini le pull à temps pour Noël, et que moi, <laughs> j'ai clairement pas avancé dessus. Et j'ai envie de le reprendre parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le, l'idée d'avoir un pull full jacquard de Noël, me paraissait amusante, mais me paraissait pas métable pour moi, euh, vous inquiétez pas, je passe la tête, hein, ça paraît très petit, mais c'est des... voilà. Donc euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le yoke avec des motifs hiver, mais pas trop Noël non plus, c'est-à-dire je vais pas mettre un cerf, je vais pas mettre un bonhomme de neige, je vais pas mettre un cadeau, enfin je vais mettre un peu style nordique, qui fasse un peu rappel Noël, mais qui puisse être un pull que je mette toute l'année. Euh, je vais faire le yoga à la main et le corps je vais le tricoter à la machine parce que, parce que ça m'amuse et que ça va plus vite et, et voilà donc c'est pour ça que je veux le reprendre parce que maintenant que j'ai pris une décision pour ça j'ai je... envie de me lancer j'étais en train de le faire dans la plus belle couleur du monde de mon dim, qui n'existe plus enfin ils l'ont reformulé c'était anciennement la 303 mais ils ont changé les noms de couleurs euh de mon dîme et un peu les couleurs aussi. Bon, il y a un rouge similaire à celui-là, mais je ne saurais pas vous dire quelle couleur c'est parce qu'ils ont tout changé. Maintenant, ça s'appelle B537, A648, enfin, c'est des noms comme ça, donc je les retiens, retiens plus. Euh, mais bon, j'étais en train de le faire avec la mon dim et avec un reste de laine grège que j'avais dans, dans mon stage. Donc... Continuons donc euh, avec un projet suivant. Ah oui, ça c'est euh, de la... Laine de lanoline euh, également, aussi son merino teint avec des teintures euh, naturelles et euh, je saurais pas vous dire avec quoi elle la teint parce que c'est pas mis sur l'étiquette je pense. Non, c'est un merino à 100% laine française. ou Couleur citrine si jamais ça vous intéresse et c'est un bonnet en côte 2/2 que je suis en train de faire pour euh, pour Monsieur donc euh, je pense que j'ai Bientôt atteint les, les diminutions. Et comme vous voyez, j'ai largement de laine pour le finir. Donc ça, c'est un peu un projet comme ça, zéro cerveau. Comme il ne fait pas encore euh, froid, j'ai encore de la marge. Ensuite, passons au suivant. J'enchaîne, je ne hein, je fais pas de transition. Alors là, oui, c'est le petit crapaud. Donc c'est toad euh, de Frog and Toad que je suis en train de faire pour ma soeur. J'avais fini la petite grenouille. Voilà, voilà. Euh, trop mignonne. Et j'avais fait son petit pull, son petit pantalon, etc. vous la présente. Et je suis en train de faire Toad, qui est donc le crapaud. Mais j'ai bien avancé, comme vous voyez, j'ai le corps, tout ça. J'ai commencé l'ombrage. Mais j'ai pas bien compris l'explication de la tête, notamment de la bouche. Je sais pas s'il doit être cousu comme ça. Mais ça me paraît bizarre, donc euh, il faut que je le reprenne. Ça m'a un peu démotivée à le continuer parce que j'ai pas très bien compris euh, ses explications. Je sais pas si la couture, je l'ai faite comme il faut sur les côtés ici, donc ça m'a un peu. ça m'a un peu découragée. Enfin, euh, découragée. Ça m'a un peu refroidi sur le projet. Je les mélange, je fais des... pareil c'est que des restes de laine, mais mélange avec du moir pour lui donner ce côté fluffy et changeant de couleur, un peu chiné. Donc euh, peut-être ce qui me motivera, c'est de lui faire les petits vêtements entre-temps, puisque Frog and Toad, ils ont chacun un petit... une petite veste et un petit pantalon. Donc euh, ce serait bien que je lui fasse, et peut-être ça va me motiver à f... essayer de comprendre. La bouche euh, de ce petit truc, mais j'aimerais bien le faire euh, d'ici la fin de l'année parce que l'anniversaire de ma soeur c'est bientôt euh, donc soit je lui finis, soit je lui offre d'abord la grenouille et après le crapaud, soit je me motive et je finis le tout. On verra. Suivant, il en reste plus que 4. <rire> Courage, <rire> je les ai même pas comptés, mais on fera. J'en mets 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Donc ça nous fait 9. Ça, c'est un gilet. Pareil, ça m'a refroidi après. Enfin, j'ai fait ça pendant une partie de l'été. Une partie du mois d'août. J'avais fait avec des restes de mohair. Et des restes de mohair qu'on m'a donné après parce que je n'en avais pas assez. J'ai fait plein de granit. Euh. Voilà, j'ai fait plein de granit en me disant je vais me faire une veste sympa, colorée, euh, de granit euh, avec des manches unies en tricot. Parce que j'avais vu une photo sur Instagram qui m'avait plu une sorte de veste comme ça. Et en fait après je me suis dit mais ça va être trop coloré, est-ce que ça va me plaire Et je me suis arrêtée là. J'avais planifié de faire les manches avec de la ombelle de Fonty dans cette couleur. Peut-être que je vais le faire, en fait. Et si ce n'est pas une veste que j'ai envie de porter dans la rue, ben je la porterai à la maison ou à la boutique juste pour avoir une veste chaude et légère comme ça. Euh, soit, je m'étais dit, je pourrais faire une couverture euh, au moët, en mohair comme ça. Mais, Mais je ne sais pas. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le feriez en gilet Est-ce que vous le recyclerez en... En couverture, sachant qu'en couverture ça va pas être une très grande couverture parce que j'ai pas beaucoup de rêves de mon air. À moins que je lui fasse une bordure comme ça, mais pff, je trouve que ça va faire trop hippie euh, des années 70. Je sais pas, je suis dans l'indécision de ce projet. Euh, ou sinon, je me fais une un petit gilet, mais c'est les couleurs, je trouve que ça fait un peu trop bariolé pour mon enfin, dit celle qui porte un pull en rayure euh, avec des couleurs bariolées. Donc, ouais. Non, mais peut-être qu'il faudra que je le fasse. et ça, Je sais que je vais le porter parce que c'est le genre de gilet un peu ample comme ça qui, que je porte facilement. Euh, donc, bon, je pense que je vais le tenter. Et au pire, sinon, je l'offrirai. Ou... Voilà. Mais je pense que je vais le tenter. Ou sinon, donnez-moi des idées. <laughs> Ensuite, ça, c'est un projet que j'avais fait à la machine euh, en sous bois c'est de la Jaipur Silk de BC garde, c'est une qualité qu'ils ont arrêtée. Et j'avais fait le Audrey Top de petites Nit, mais comme vous pouvez le constater, il est bien trop grand. Euh, alors là déjà, j'ai pas tenté euh, de passer la tête. à mon avis, ça passe tout juste. Mais ici, je me suis retrouvée avec des emmanchures hyper larges, parce qu'en fait, j'ai pas du tout respecté le patron. Et je vais le défaire parce qu'il est, il est bloqué, hein, donc je sais que... Mais je vais le défaire, je pense que je ne vais pas le porter aussi ample, aussi étroit ici, gna gna gna. J'ai assez de fil pour me faire un autre projet, donc, euh, donc je vais le défaire et je vais monter un autre projet avec. Donc ça, ça va être... Ça va pas être notre dixième projet, ça va se faire... On fait, on reste le, le compteur reste à 9. Donc lui, je vais le défaire. Hier, j'ai hésité, bon, que je faisais mon tri, mais là, je prends la décision avec vous. Euh, vaut mieux réduire un fil, surtout que c'est un super beau fil en soi euh, que, de, que de, de faire un truc que je porterai pas. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, là, je sais pas ce qu'il y a. Ah oui, là, il y a des, des chaussettes. Des chaussettes. Ça, c'est un tube que j'avais commencé je ne sais pas quand et qu'il faudrait que je finisse et que je transforme en chaussettes. Donc, bon, pas très motivant. Et ici, c'est un talon après coup que j'avais enlevé et qu'il fallait que je refasse. Ça, c'est mon patron euh, Gamelastan et c'était dans l'idée de refaire des kits avec euh, cette euh, laine, ce combo-là. Ça fait deux ans, un an et demi que c'est comme ça. <laughs> Il faudrait vraiment que je m'y mette. Donc ça, c'est zéro motivation, mais un peu d'obligation. Ça rime et c'est pas, et c'est pas, c'est pas, c'est pas exprès. Et mes deux derniers projets, j'hésite. Alors le premier, euh, j'ai plus la motivation de le faire. C'est un, un gilet en... C'est un gilet en crochet où je change de couleur chaque rang. Et euh, où vous pouvez constater qu'il y a 3 milliards de fils à rentrer. Je suis plus du tout motivée par ce projet parce que... Je sais pas, parce que je me suis lassée en fait de, de le faire. Donc soit... Euh, soit je le finis et je le porte un peu en veste, mais pas sans les manches, soit je le finis, soit sinon je le transforme en housse de coussin. J'avais même commencé la manche. Je sais pas, je me donne jusqu'à l'été. Les... C'est un projet que qui est déjà avec moi. Ça fait le deuxième été qu'il n'est pas fini. Si je ne le finis pas l'été prochain, on prend une décision. Je vais peut-être pas prendre une décision là pendant l'automne alors que j'ai zéro envie de, de le continuer donc euh, on se revoit euh, on se revoit en avril <laughs> pour prendre des décisions de ça mars avril euh, qu'est-ce que j'allais dire du coup ça nous fait notre projet numéro 10 non ah non 11 parce qu'il y avait les chaussettes bon les chaussettes il y en a deux je compte comme une seule mais en vrai ça ferait 12 et après il y a celui-ci qui est un top que j'avais prévu depuis longtemps c'est le top euh, floribunda de Pompom Pom magazine. C'est lui. C'est sorti il y a quelques années. Il est fait en antigone de de d'herbe en leur lin et j'ai commencé à le faire cet été. Et... si cet été en mois de juin. Et en fait, j'aime pas le combo de couleurs. Je ne l'aime pas du tout pour moi. En tout cas, hein. ça va venir comme ça. Enfin, c'est pas les bons morceaux mais pour vous donner une idée des couleurs. Je n'aime pas du tout ce combo. Euh... Enfin, du tout. Si, je l'aime bien, mais je ne je sais pas. Ce n'est pas des couleurs qui me font vibrer ensemble. Ce n'est pas des couleurs que je trouve. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans ces couleurs qui ne me fait pas avoir envie de le travailler à 100%. Autant l'autre, j'ai pas envie de le tra... plus envie de le travailler parce que je me suis lassée du projet. Lui, j'aime bien le faire, mais les couleurs ne me plaisent pas du tout. Enfin, euh... du tout. Je me vois pas le porter en fait, c'est ça le problème. Donc, j'ai quand même bien avancé. Hein. J'ai pas mal de morceaux de fait. Comme il est rigolo à faire, je me dis que je vais peut-être le je vais peut-être l'avancer le... l'été prochain. Et si quelqu'un veut le réclamer euh, dans mon entourage, ben je serais heureuse de l'offrir. Et sinon, ben, je ne sais pas, je le mettrais en expo à la boutique, euh, vu que c'est en Antigone et qu'on vend en Antigone. Ça peut être aussi une idée. Mais il est très très sympa à faire. C'est des granits, en fait, on fait un granit et après on construit un grand granit ici, mais il y a, y a quand même une courbe ici pour le, pour le dos, pour le devant. Donc on ne fait pas un granit entier, on s'arrête à un certain moment, etc. C'est tout des granits euh, faciles à faire, donc ce n'est pas un patron qui est complexe, euh, mais il est rigolo à faire. Donc je pense que j'ai envie de le travailler, mais je pense que je ne vais pas avoir envie de le porter par l'assemblage de couleurs tout simplement. Euh, mais sinon, il est, il est vraiment sympa à faire. Donc, euh, donc voilà. Voilà mes, mes petits projets en cours. On va les recompter. Là, j'en ai deux, mes deux en crochet. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je vous l'accorde, c'est deux paires de chaussettes. Onze, pour celui qui doit sécher. 12 et 13 <laughs> et le projet que je vais défaire qui aurait été mon 14 quatorzième mais que vraiment c'est pas la peine que je m'y penche plus que ça donc 12 plus 1 euh, sont mes projets en cours sachant qu'il en a deux que je vais laisser pour l'été prochain euh, deux que je compte bientôt finir les paires de chaussettes faut, voilà le bonnet que je vais finir donc il y a quand même il n'y a pas beaucoup ce que là où je suis contente c'est qu'il n'y a pas énormément de projets qui sont très très vieux, qui j'ai réussi à défaire certains projets qui me plaisaient mais que je savais vraiment que je n'allais soit pas porter soit pas tricoter, donc ça c'est cool. Et là je me retrouvais avec une... un nombre de projets, ou plutôt le type de projets que j'ai. Je sais que je vais les finir, je sais qu'ils me motivent, je sais qu'ils vont plaire ou s'ils sont c'est des projets pour d'autres personnes. Donc j'arrive à me dire que que je suis contente avec les projets que j'ai et que je sais que je vais en finir pas mal. Donc, euh, plutôt motivant, plutôt motivé. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais réussir à réduire le bruit du cher monsieur qui nettoie nos rues euh, à 9h30 du matin. <laughs> C'est pas sa faute, mais voilà. Euh, et je vous dis à très bientôt.